Attention, cette série n'est créée que dans un but purement parodique et caricatural, afin de vous divertir. Bon visionnage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça marche. Je sais pas si vous avez vu, mais le live sera peut-être un petit peu plus court parce que j'ai été malade toute la journée. Et du coup, on va dire que je teste. Ça va un petit peu mieux, mais bon, bref. Coucou coin coin et coucou Maki. J'ai froid aux doigts, c'est génial. Je sais pas si ça vous arrive, mais d'avoir les doigts gelés quand vous jouez ou je sais pas, bref. On s'en fout. J'attends de savoir si ça marche bien. Coucou Alexis. Je vais vous dire quand même que j'ai lancé, donc... Visiblement, ça marche. Poincoin a répondu. Merci Alexis. Oh là là, Maki pédale plus vite, hein. Du coup, désolé, je vais peut-être être un peu moins énergique que d'habitude, mais comme je l'ai dit, j'ai été malade et j'ai encore un petit peu mal au crâne, donc c'est pas cool. J'avais la nausée et tout, enfin la totale, c'était trop bien. Donc le live sera peut-être un peu moins long. Bref, je vous propose de commencer. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas directement dans la villa, puisque j'ai d'autres projets, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, j'ai bien bossé cette semaine, puisque, en fait, donc déjà, on a une nouvelle membre dans la villa, hein, n'est-ce pas, Alexis? Alexis qui nous a fait toute la famille des chiens, là. C'est pas grave. Ensuite, j'ai fait la maison de... Je sais pas si vous vous souvenez de Richard et de Gisèle qui avaient eu un enfant, donc je leur ai fait leur maison. Et enfin, on avait dégagé... oui, j'enregistre en même temps, coin coin. Et on avait dégagé Rasputia, Dog, Mafioso et Chihuahua dans une maison que j'ai aussi faite. Donc on va aller les voir tout de suite. J'espère que ça va vous plaire. Je vous ai réservé une petite surprise. Enfin, une petite surprise, c'est pas vraiment une surprise, mais bon. Ça m'a beaucoup fait rire en tout cas. Chérie, la plus bombasse de la famille Woman. D'ailleurs, Alexis attend toujours leur frère. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris une maison de base hein, que j'ai relookée parce qu'en fait, je voulais faire une maison un peu pourrave et encore, je trouve qu'elle est belle pour une maison pourrave. Donc, ce sera le body. Oui, les chats sauvages sont sortis, comme d'habitude. Donc en fait, ce que j'ai fait une maison pourrie, clairement. Et ce que j'ai fait, c'est que Mafioso... Mafioso a trois filles en petite amie. Et elles sont toutes les trois enceintes. Ça va être horrible. Le résultat va être horrible, donc c'est Dog qui aura son petit en premier. Ensuite, je crois que ce sera Rasputia et ensuite Chihuahua. Mais franchement, j'ai hâte de voir la tronche des bébés. Hâte, vous pouvez pas savoir. Donc c'est pour ça que je vais les jouer en premier, parce que elles risquent en fait de pondre leur chien. Oui, Alexis, j'ai fait ça. Je disais, elle risque d'accoucher pendant que je joue ailleurs, donc je veux qu'on les joue en premier. Donc lui, il est corvée de cuisine, en train de faire plein de plats. Bon, la migraine revient, c'est génial. Je sais pas qui sera le pire, franchement. Et en plus, il est vert, Mafioso, il est déformé, regardez ça. Il est déformé, quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un monstre. Donc,
avec Dog et Chihuahua, je pense que le bébé sera vert clair et avec Rasputia, c'est possible qu'il soit vert foncé. J'ai jamais eu de Sims. Enfin, j'ai jamais fait de combinaison Sims vert et noir, donc on va voir ce que ça va donner. Ce sera pas possible, une horreur comme ça. Tout à fait. Ça se trouve, ça sera les plus beaux gosses du monde. Ouais, mais personne n'y croit là. Je sais pas ce qui est pire en fait entre la tête de Rasputia. La tête, la bouche à pipe, excusez-moi, de Dog et la Dog Face intégrée de Chihuahua, je sais pas ce qu'est le pire, ou Mafioso qui est clairement pas un canon. Bonjour, l'Auxerre Jubia. Je sais pas du tout qui tu es, donc bienvenue. Bienvenue chez nous, on est bien posé. bon, bah on va les booster un peu pour qu'ils bougent là. J'espère qu'il y aura le bébé. J'ai trop hâte de voir la tronche des bébés. Oui, désolée, c'était pas très élégant. Le coup de la bouche à... Bref. J'ai fait deux salles de bain quand même pour pas qu'ils nous fassent trop... Ça se lève en même temps, ouais. Regardez, elle a un petit bidon, Dog. Oh, il est trop mignon. C'est pas possible. En fait, finalement, c'est la moins pire, hein. Ah, elle a envie de vomir, la pauvre. En plus, elle a une aversion pour les enfants, donc laisse tomber. Elle aussi, elle a un petit bidon. Ouh, que c'est mignon. Ouyou, ouyou. Aïe, 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 on n'est pas dans le caca. Bon. Eh ben, vous allez manger déjà pour commencer. Hein, plus vite que ça. Allez, allez manger la bonne salade que vous a faite votre petit chéri. Toi, comment tu vas? Bah, toi, ça va, hein, tu dors. Non, mais la moins pire, c'est la verte qui est dans la villa. La Kim Kardashian de la famille, gros sein, gros cul. Un chic. Reste dans le truc. Oh là là, je suis complètement à côté de la plaque, laissez tomber. Ah, mais j'avais quand même envie de faire le live juste pour. Je pense que je vais liver, si on peut dire ça comme ça. Enfin, je vais faire mon live jusqu'à ce que les bébés naissent et ensuite j'arrêterai. J'espère que ça arrivera quand même pas trop vite, mais quand même un peu parce que j'ai vraiment la tête comme une pastèque. Allez manger, bande de moches! Oh, mais elle a pas son bidon, elle. Pourquoi t'as pas ton bidon? Manger pour deux. Bah oui, bah alors on veut le bidon, hein. Ah oui, parce que j'avais verrouillé les portes en fait pour pas qu'elle voie Mafioso copuler avec les autres pendant que. Bref. Au final, ça s'est grillé tout seul, donc laisse tomber. Parce que pour être honnête, j'ai pas joué en fait. J'ai utilisé le code pour modifier les relations pour aller plus vite et être tranquille. Et du coup, elles sont toutes jalouses les unes des autres. Enfin, c'est n'importe quoi. Y a pas d'évier. C'est ballot. On va mettre un lave-vaisselle quand même. Quelque chose du style. Voilà. Allez, il fait la vaisselle. Ils se font chier là, hein. Regardez, ils prennent racine. On fait quoi? Je sais pas. Alors, regardez un film. Regardez ça. La pauvre Dog, elle a aversion. Enfin, elle déteste les enfants. Et elle va en avoir un. Un qui pendouille, l'autre qui vole. What? Est-ce que tu parles Alexis, mais je veux pas savoir. J'ai peur de ce que tu veux dire en fait. Allez, un spoutien, regarde la télé. Ah, c'est un film en plus, c'est quoi le film? J'ai même pas vu ce que j'avais mis. Ah, du coup, on va regarder avec eux. Ok, il y en avait un qui courait à poil. Pas bien. C'est impressionnant. On dirait la bande-annonce pour les Sims 3 University en fait.
ton PC marche pas, tu tapes la tête comme ça sur le clavier, je crois pas que ça fasse quelque chose de bien. Parle de poitrine. C'est ce qui me semblait. What? Il se rapproche, lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Mais qu'est-ce qu'on regarde, là? Ça n'a aucun sens. Et le qui a poil. Défonce le lit. Ok, c'est pas grave. Ok, si vous avez compris quelque chose de ce film, vous me le dites, parce que moi j'ai rien compris. On dirait juste un espèce de documentaire sur la vie universitaire. Du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si Dog allait faire chier sa sœur? Alors... Ta mère est dans la masse, c'est la même que la tienne. Ah ouais, merde. Vous allez vous crier dessus. Voilà. Puis insulte-la parce que... Elle est moche. Oh, mais la pauvre, mais cette duck face, mais c'est pas possible. Mon dieu. Repoussé. Il se tape la tête. Bon, on va dire qu'elle s'aime pas trop. C'est quoi lui? Environnement lassant. Ben, c'est la vie. T'as pas de sous. En plus, c'est personne qui travaille là-dedans. Leur donner un travail, ce serait pas mal. Comme ça, le temps passerait plus vite. Allez, go! Alors, tu vas faire un truc, puis on s'en fout au pire. Et hop, tu vas aller là-dedans. Toi, tu vas être... Je sais pas. Gourou des technologies, je dis n'importe quoi. Dog, tu vas être agent secret. Rasputia, si tu veux bien appeler, elle appelle pas. Trop gneugneux. Cuisine. Tu vas être cuisine, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon, comment vont vos besoins? Tu vas être couché, toi aussi. Aussi. Et mafioso, ce soir, tu vas dormir avec... avec Chihuahua. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Oh, il y a Taxi! Taxi! Coucou! Alors, moi, le film, j'ai retenu qu'ils n'arrêtent pas de picoler. Il y en a un qui se tape tout le bahut et un qui suicide en se tapant la tête contre son clavier. C'est ça. Les deux sœurs se détestent, elles font une compète, genre c'est moi qui ai le plus gros cul, ok? D'accord. Ouais, si tu veux, Alexis, hein, c'est toi qui as créé les Sims après tout. Ça craint. Alors, Daxi, pour la petite histoire, le live s'arrêtera quand elles auront toutes les trois accouché, parce que je suis pas très bien en fait. Je me suis dit, ouais, ça va aller, puis en fait, non, ça ne va pas. On va pas trop forcer. D'ailleurs, je pense qu'après j'irai me coucher. J'ai fait que dormir toute la journée, c'est génial. Ah, les médicaments. Parce que pour ceux qui veulent savoir ma vie, en fait, je prends des médicaments parce que j'ai une maladie génétique. Enfin bref, on s'en fout.
Et donc j'ai un nouveau médicament et ce médicament me fout des maux de tête. C'est génial. Et ils sont tellement violents que je peux rien faire. Donc en fait, je me demande à quoi ça sert. Mais je t'ai dit de dormir, toi. Allez! Mais elle aussi, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Levez-vous, écoutez, hein, si ça vous amuse. Et j'ai des nausées aussi, voilà, comme si ça ne suffisait pas. LOL. LOL. J'avais quand même envie de vous faire un petit. Et petit. Sauf qu'il va durer 30 minutes. Elles en sont à combien de trimestres en fait? Troisième trimestre dans 6 heures. Ok. Bon, Doc va bientôt accoucher, je pense. Hop. Elles sont mignonnes en train de manger toutes les trois devant la télé éteinte. Regardez-moi ces magnifiques créatures. Les pauvres, elles ont toutes les trois des nausées, comme je vous comprends, les filles. Qui veut un relou king des trois filles? Dites-moi dans le chat et moi je fais. Elles sont de toute beauté, n'est-ce pas? Et l'autre qui dort peinard, genre, oh, alors dis donc, moi j'ai bien copulé, moi. Hein? Hop. Et tu vas nettoyer. Appelons Christina quand tu l'as. Je crois qu'il n'y a pas de H à Christina, mais on s'en fout. Mais vous retournez dormir en fait, comme ça passera plus vite. Vous aurez votre bébé plus vite. Allez, go! Et toi, tu iras dormir avec Rasputia. On aura fait la vaisselle, évidemment. Oh putain, je savais pas que les canards bouffaient de la salade avec les cheveux bleus. What? Ah oui, parce que Chihuahua est un canard avec ça. Vous imaginez quelqu'un qui a vraiment la bouche comme ça, H24, genre. Mais tu retournes dormir, j'ai dit. Toi aussi. Mais c'est pas possible, c'est sale gosse. Ah, elle va bientôt accoucher. Pense. Mais j'ai trop hâte de voir la tronche qu'ils auront, quoi, les trucs. Deuxième trimestre dans 4 heures, bon, on a le temps de crever, hein. Une étrange bête. Canard croisé chihuahua, ça peut être un concept. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, le pauvre Jonas. Il est mort. Bonsoir, Phoebe Kingwood. Je crois que tu es sur Star t'appelles. Mais c'est pas possible, ces chats. Ils sont encore en train de se battre. Oh. Ils sont graves. Et vous êtes graves. Et gros. Live de 10 minutes, le record de tous les. Alors, c'est faux, ça fait déjà presque 20 minutes. Espèce de mauvaise langue, va. Non, mais je comprends. Du coup. Mais c'est juste que j'avais quand même envie de vous faire un petit live et puis je suis malade donc je veux pas trop.
Pas trop y aller fort. Les gros bidons. My God, mais ce bide, il y en a deux là-dedans ou quoi? Oh non. Oh, vous imaginez des jumeaux? Mais elle, elle a ventre plat, quoi. Elle nous fait un déni de grossesse. Je vois que ça, hein. Elle est bientôt au deuxième trimestre, là. Et elle a le ventre. Laisse tomber. Laisse tomber la neige. Jaco. Et confiant, bah tant mieux pour toi, hein. Tant mieux pour toi. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Mal de dos. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que c'est bientôt le deuxième trimestre? Ah bah toi tu l'as déjà. Ok. Donc elle. 53 minutes. À faire pipi. Allez, un bisou. Toi, si tu t'ennuies, tu peux aller faire à manger. Allez, pour le vide, croissant. Oui, mon follow est pourri, mais j'aime mon humour nul, en fait. Il y a des gens chelous dans le jeu. Bah, c'est vous qui les avez faits, hein. Enfin, non, c'est moi qui fais mafioso, mais c'est un détail. Du coup, premier live auquel je participe. Eh bien, j'espère que tu reviendras. Ce sera tous les samedis, sauf si j'ai un empêchement. Ou si je suis malade, comme actuellement. Donc, normalement, ça dure 2 heures. Là, je pense que ça durera moins longtemps. Bon appétit, Alexis. Et voilà. Je sais plus trop ce que je disais. Donc, super. Alors, est-ce qu'elle a un bide, du coup? Mais elle fait vraiment un déni de grossesse, cette meuf. C'est pas possible. Dans 8 minutes. Est-ce que tu vas prendre du bide dans 8 minutes? Ah, quand même! J'ai eu trop peur. Paye ton bug. J'allais dire paye ton bide. Hey, copain. Dog, tu vas ranger ça. Et tu vas aller dormir. Je le fais dormir comme ça, le temps passe plus vite. Hop. Ouais, non, toi, tu vas devoir aller aux toilettes, je pense. Est-ce que tu accouches bientôt, Jacqueline? Ah, elle accouche d'or, point d'interrogation. Oh, elle va bientôt au travail, elle. Ouais, tu peux te recoucher, ma vieille. Ou Rasputia, va au travail, toi, t'as grave envie de faire pipi. Oui, je serai là, sauf samedi prochain, je serai en Andalousie. Oh, trop bien, il y a des beaux chevaux là-bas. Tu nous diras si c'était bien. Voilà, c'est génial. Loupi qui connaît l'Andalousie juste parce qu'il y a des chevaux, voilà. Mais tu continues de dormir. Allez, hop. Hop, hop, hop. Accouche! Petit averti triste. Ouais, ils sont très beaux mes Sims. Alors pour la petite histoire, les trois filles ont été faites par des gens donc Chihuahua et Dog ont été faites par Alexis Sims Prod qui est parti manger et Rasputia a été faite par Studio FS3 et c'est n'importe quoi. Il y a un chat qui était sur mon dossier. Un chat va. Et Mafioso, c'est la merveille de la génétique. Je sais pas pourquoi, j'adore faire des Sims mal formés en ce moment. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu vas accoucher? Scrognonieux! Bon, allez, laisse tomber. Quoi? Enfin, oui. La totale.
Allez, go! Sinon, est-ce que l'un d'entre vous peut faire la vaisselle? Ce serait pas mal. Là, partout, c'est dégueulasse. Non, les toilettes sont cassées. Oi, oi, oi. Regarde les rediffs, mais c'est carrément moins agréable qu'en direct. Bah oui, puisque du coup, on peut pas interagir en direct. Okay, super. Du coup, j'essuie. Je les pêche. Alors d'habitude, je suis un peu plus active, mais comme ça fait à peu près 15 fois que je le dis, je suis malade. J'avais trop envie de faire un live, ça fait une semaine que j'attends, en mode nyeh! Puis le jour même, oh là là, j'aurais pas dû prendre ce médoc. J'ai repris le médoc. Voilà, vous le dites, on peut parler en même temps. Exactement. C'est la merde en tout cas. C'est la merde. Allez, on dort. Alors on dort. Ah, mais Raspoutia est là! Mais Raspoutia va aller se coucher! Évidemment qu'elle va se coucher, l'hôtesse se lève. Non, tu dors. Allez! Mais dormez, vous me saoulez! Pas possible! Bon, ben toi, tu vas aller prendre une douche. Merci du follow, j'ai pas vu le pseudo. En tout cas, merci. C'est gentil. Et la voix qui est partie en oui. Et un méchant, mais c'est pas possible. Tu veux pas jouer à Black Desert si tu t'ennuies sur les Sims? Alors je m'ennuie pas du tout sur les Sims. Je jouerai à Black Desert, enfin j'y joue un peu tous les jours, mais... Si tu parles en live, je pense que j'y rejouerai prochainement, mais en fait j'attends d'avoir des gens avec moi puisque toute seule c'est pas très passionnant et je me fais laminer puisque c'est un mémo qui prône en fait un peu les équipes. Du coup quand t'es tout seul, ben c'est moins intéressant. Donc j'attends qu'il y ait du monde. Et comme le monde n'est pas dispo, et les Sims, même si ça me dérange pas, j'aime bien les Sims perso. Mais là, c'est juste en fait qu'on attend qu'elles accouchent, ces grosses vaches, et elles accouchent pas. Reviens. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait rien, comme d'habitude. Il sert à rien, ma fioso, t'as juste engrossé les demoiselles et c'est tout. En fait, je voulais cuisiner, je voulais pas. Haricots saucisses, allez. C'est marrant parce que quand ils mangent des haricots saucisses, après ils pètent. Voilà, c'était la petite anecdote pourrie. Je pense que c'était important que vous le sachiez. Raspoutia, elle n'est pas en état là. Hein. La pauvre. Oh, un chat! J'ai chat! J'ai chat! Tu viens de dire bonjour? Dire bonjour, attendez, je vais vous la montrer. Stasi, il y a du bordel. Stasi! J'arrête d'embêter la pauvre. Chacha! Ah, la tête qu'elle allait comme ça. Bon! Est-ce que vous allez veler les vaches? Eh ben, on va retourner se coucher. Voilà. Et l'autre, elle se lève quand tout le monde va se coucher. Non, mais la blague. Ah! Ça y est! Vas-y, accouche. Avoir un bébé à l'hôpital, on s'en fout, on va pas l'accompagner. Allez, vas-y, casse-toi. À votre avis, c'est un garçon ou une fille? Bah, c'est un peu trop tard.
Même Dog, qui est laide, est plus belle que Chihuahua. Comment l'appelle? C'est un garçon. Je sens qu'il va être très beau. Encore que bébé, on le verra pas trop, mais. Allez, donnez-moi un prénom, n'importe lequel, ou même un nom inventé, ou ce que vous voulez, le prénom de votre chien, enfin ce que vous voulez. Allez, je vous laisse choisir. Oh, c'est pas possible, les chats. Je sais pas si vous entendez Hydromel, il miaule comme un demeuré, tout seul, comme ça. Il est grave, ce chat. Il est très grave. Allez, donnez-moi un prénom. S'il vous plaît. Et Naïk. D'accord, on y va. Léna. J'ai écrit Mena, c'est pas grave. Hop. Et voilà, le chien est né. Quelle couleur il sera? Oh my god. Non. Il est vert. Qu'avons-nous fait? Nous avons créé un monstre. Un monstre. Bon, bah, Lenaïk est né. Ton nom, Zubabuta et Artaban. Ok, donc ce sera le nom des autres gosses. Mon Dieu. Oh my god. Et vous êtes au combien de trimestres, vous? Deuxième trimestre dans 2 heures, je vais y arriver. Il est où le mafieux? Oh my god, mais ce bébé, mais qu'est-ce qu'il est moche, le pauvre. Oh my god, c'est Shrek. C'est ça. Ça va être ça. Ensuite, il faut que tu ailles au travail. Va bosser, feignasse. Mais va bosser! Elle est schtroumpf. Oh la vomi. Je suis désolée pour le bruit, c'est les chats qui jouent. Il y a des cartons, donc ils n'en peuvent plus. Aïe 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 les chats. Rasputia, ça se passe comment ta vie? Accouche-dent. Ok. Donc déjà on va nourrir le chien là. Même si c'est pas le tien. Stabilité sentimentale. D'accord. Moi j'ai une réussite, qu'est-ce que vous voulez? Alors. Je vais prendre une douche, faire un pissou. Manger un bout. Quoi? Douche. Tu vas nettoyer les toilettes quand même parce que c'est pas classe tout ça. Et puis. Hydromel, ça suffit tes bêtises. C'est là que j'ai honte d'avoir donné mon prénom pour nommer un monstre. C'est pas grave. Les chats refont la déco. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Ils sont graves, mes chats. Alors, Dog est rentrée. Tant mieux pour elle, on a envie de dire. Dog, tu vas aller nettoyer les chiottes, tiens. Et ensuite, tu t'occuperas de ton bébé. Aïe, 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 on n'est pas dans le caca. Mais elle n'a pas du tout nettoyé les plats, elle. Elle manque de nous. Ah, Raspoutier est parti travailler, c'est parfait. Après, tu vas dormir. Allez, hop, à la poubelle, là, ça m'a saoulé. Toi aussi, va dormir. Allez, plus vite. Allez, allez, on va dormir. Une drôle qui arrive à côté de moi, tout à coup, il repart à fou. Ils sont bêtes, ces chats, ils sont bêtes. Oh, c'est des chats, quoi. Du coup, on va faire un pissou. On va redormir. Et toi, tu vas t'occuper du bébé. Allaite-le. On va regarder la télé, au pire.
Oh my god, nous avons créé un monstre. Avant bientôt accoucher là. Hein. Ah, Mafioso est rentré. Allez. Allez, allez, allez. J'ai mangé McDo, sinon est-ce intéressant? Ben. T'as pris quoi comme menu? Et oui, le chat n'est pas toujours très actif, mais tant qu'il y a quelqu'un qui me parle, moi ça me va. Oh, il est encore en train de chialer! Oh my god, mais il est moche, le pauvre gosse. Et encore, on ne l'a pas vu. Enfin là, il est juste vert, mais je veux dire, quand il va grandir, il va être mal formé comme ses parents, donc laisse tomber. Pauvre enfant. Pauvre petit. Allez, go! Tiens, si tu faisais crac-crac avec lui. Réparer les toilettes. Qu'est-ce qui est fait? Mais pourquoi tu... On s'en fout, je dis. D'accord, elle a été dehors pour, je sais pas, elle voulait prendre l'air. Un maxi best-of, mac chicken, 4 nuggets, un iced tea, un McFlurry aux Oreo coulis caramel. Bon appétit en retard. Mafioso, c'est un polygame. Mais oui. Faut bien, hein. Y a pas que des monogames dans la vie. Bon, t'as bientôt fini de réparer les toilettes, sérieux? Laisse tomber. Allez hop! Et crac crac. Et toi, ma vieille, tu vas aller prendre une douche, tiens. Tu laveras ton gosse. Ah mais en fait non, je croyais qu'il y avait la fumée verte, c'est pour dire que la couche devait être changée, mais c'est juste qu'il est vert. Mais faites pas l'amour ici! Oi, 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 ça va créer des problèmes, hein. Ils sont cons, hein. Il y a trois lits. Elle va les voir. Elle s'en fout. D'accord. Elle s'en bat le steak. Elle vient de voir sa sœur et puis son homme copulé. Moi, oh, je m'en fous. C'est la vie, hein. Re-Alexis. Merci en retard. Bon. Va dormir toi, tu nous enquiquines. Alexis, voici le premier produit de... Je sais même pas comment dire ça, notre première monstruosité. C'est un petit garçon, donc le fils de Dog, Chihuahua et Rasputia vont pas tarder à accoucher, je pense. Oh là 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 là. Ça craint du boudin. Elle est quand même heureuse d'avoir eu un bébé, hein, faut pas chercher. Coucou Edouard! Ouh, je suis contente que tu sois là. Edor! Elle veut pas. D'accord, bah va dormir ailleurs, je sais pas. Ah non, c'est parce qu'il crie. Oh, quel sale gosse. Quel sale gosse. Qu'est-ce qu'il a? Mais dors. Oh, mais il crie encore ce gosse. Mais c'est pas possible. Cette monstruosité porte mon prénom dans la réalité. C'est pas grave!
Ça met un peu de... Bon, lol, très tendu. Raspoutia, il est temps de faire crac-crac, hein. Viens ici, viens avec le mafieux, là. Eh oh, arrête de dormir, Jaco. Alors. Voilà. Hop là. L'enfant hérité du même teint que le père, t'as vu? Magnifique. Un chef-d'œuvre. J'ai bien peur que ce soit pas le pire. Faudrait. Quand ils seront plus grands, quand ils seront tous nés et qu'ils seront plus grands, je pense qu'on fera un concours de qui est le plus moche. Enfin, vous me direz dans les commentaires ou en live, bah, dans le chat, je suis conne, moi. Ou dans les commentaires si vous regardez la rediff, qui est le plus moche d'après vous? Et mais ce bébé, il est gonflant quand même. Hein. Un petit peu beaucoup. Est-ce que vous allez bientôt accoucher, les filles? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais bon. Hein? Ok? Alors, faudrait nettoyer cette baraque aussi, parce que laisse tomber. Laisse tomber l'état de la maison, quoi. Aïe aïe aïe, mais ce gosse qui est toujours en train de chialer! Bonjour Mélo! C'est quoi ces Sims? Alors, tu demanderas à Alexis, voilà, et à Studio FS3. Moi j'ai juste fait le bonhomme, bon en fait c'est peut-être le pire. Alors je vous fais un petit zoom sur les produits de beauté. Hein. Elle a un duck face intégré. Elle a une grande bouche, voilà, vous en faites ce que vous en voulez. Et puis Raspoutia, bah, c'est Raspoutia, quoi. Et du coup, elles sont toutes les trois enceintes du Sims le plus déformé de l'univers. Bon, là, on voit pas trop, mais quand il sera debout, je vous montrerai. Vous avez pas honte? Non. On dirait des ventouses pour toilette. Raspoutia élégante, courtoise, pleine de glamour et donne envie, n'est-ce pas? Oh mais le bébé est encore en train de chialer, c'est pas possible. Tuez-le. Et toi tu fais quoi là? Tu prends racine dans les toilettes? Hop, va manger. Qu'as-tu encore fait, Alexis? Qu'as-tu fait? Oh my god! Voilà, ce sont les trois sœurs. Vous les voulez? Elles sont dans la galerie. Mon dieu, donc elle, on la verra dans la villa plus tard. Mon dieu. Quelle horreur. Doc part travailler, ben c'est parfait. Ignace. Aïe aïe aïe, lui il va faire le ménage parce que c'est pas possible. Est-ce que tu vas bientôt accoucher s'il te plaît? Accouche. Accouche. Hop. Ah, donc on va zoomer un petit peu sur Mafioso. Voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Et fertile le gars. Ouais. Il y a des gamins avec les trois. Il n'y en a qu'une qui a accouché pour le moment. Allez, va bosser. Voilà. Au revoir, merci d'être venu. Oh! Elle a commencé à coucher. Allez, vas-y. Va à l'hosto. Ah, va au travail, toi.
Allez, dites-moi des noms. C'est une fille. Faites péter les noms. Les noms, les pseudos, enfin, les trucs inventés, ce que vous voulez. Est tellement sexy. N'est-ce pas? Ah, parce qu'il y a d'autres malheureux qui doivent sortir des ventres de ces dames? Oui. Vu que j'appelle Mélodie, très bien, je l'appelle Mélodie. Là. Encore un. Oh my god, elle est verte aussi. On est trop tard, je l'ai appelée Mélodie. Sylviane. C'est spécial. Lolwen, non, c'est ma meilleure amie. Roupiafa. Je me sens honorée. Tu devrais pas te sentir honorée parce qu'à mon avis, elle va être bizarre. Bon, bref. En plus, j'ai pas de place pour la mettre. Ça gosse. Ah, elles sont toutes. Ah non, c'est bon, toi t'es là. Donc, du coup, tu vas t'occuper des enfants. Allaite-moi ça. Rasputiatovic. Vous pouvez déjà préparer les noms pour le petit de Chihuahua parce qu'à mon avis il va bientôt arriver. Je pense. Et il est casse-pied les naïcs là, hein. Il braille depuis tout à l'heure. Laisse tomber le gosse. Laisse tomber. Ah bah voilà. Voilà voilà. Allez, préparez les noms. C'est parti. J'ai peur de ce qu'on va avoir, les gars. Elle a hérité de la couleur de son père et de la bouche de sa mère. Pur mannequin. C'est encore une fille! Allez, faites péter les noms. En le premier, hein. My god. Futur mannequin 2016. Ouais. Zubaka, allez, c'est parti. Ça s'appellera Zubaka. Hop. Oh my god, j'ai des jumeaux. Mais mettez un autre garçon. Oh my god. Chihuahua a eu des jumeaux. Vladimir Prouta. Non mais c'est... Oh, donnez-moi un nom de garçon. Allez, Joseph. Ok, c'est parti pour Joseph. Mais non, j'avais déjà un Sims qui s'appelait Joseph. Bon bah Philippe alors, ok. Allons-y pour Philippe. Ça s'écrit pas comme ça, mais on s'en balèque. Ah, c'est bon, il y en a pas un autre là, parce que me fait pas faire une syncope. Hein. Oh my god. Ça a planté mon jeu. Oh, regardez. Ils sont beaux. Ils sont pas verts. Non mais c'est pas possible, leur père c'est pas... Pas machin là, c'est pas possible. Oh my god, l'horreur. Zubaka, Philippe, Mélodie et Lénaïque, et bah putain. Bah si, pourtant. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire grandir. Et ensuite, je vous montrerai la maison que j'ai faite pour l'autre famille. Et après, j'arrêterai le live ici et on suivra leurs aventures plus tard, n'est-ce pas? Allez, changez d'âge. Oh my god. Alors, Mélodie, tu vas être sociale. Et puis on va dire... Non, on va dire que t'es méchante en fait. Comme en vrai. Y a pas genre méchant. Ah si, c'est bon. Méchante, voilà. La pauvre. Philippe. Bah Philippe, il va être petit génie. Et puis, je sais pas... amateur d'art, n'est-ce pas?
Zubaka, non mais c'est pas possible déjà ce nom. Va être un prodige artistique qui sera délicate, voyez-vous. Et enfin, Lénaïque, tu vas être. Du coup, il nous reste quoi? Très turbulent. Et tu vas être crasseuse. Allez hop, on s'en fout. Alors, on va regarder leurs petites têtes, mais ils ont pas l'air si moches, hein. En fait, alors Mélodie, ça va. Elle est pas si pire. Alors Mélodie, c'est la fille de qui déjà? De comment il s'appelle? De Rasputia et de Mafioso. Oh my god. Oh Zubaka, cette tête, c'est pas possible déjà. Alors je pense que les enfants, ils sont pas trop. Ils sont assez ressemblants, mais quand ils vont être ados, à mon avis, c'est là où on va voir la malformation. Lui, il est pas si pire, à part les joues, quoi. Ah, oh, mais c'est dommage, ils n'ont pas le superbe duck face de leur maman. Bon, admettons, Elenaïk, il est comment? Bah, il est vert, quoi. Il est vert. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est le prénom de mon tonton, Philippe. J'enverrai la sœur de Rasputia encore pire. Eh bien, je l'attends avec plaisir, Edouard. De normal, les miracles existent. Tu m'étonnes, belle gosse. Grosse toupie représente. Bon, bah, c'est beau. Lol. Alors, j'essaierai d'améliorer un petit peu la maison plus tard. Enfin, hors caméra, enfin. Hors live, on va sauvegarder ce chef-d'œuvre. Zubaga, quelle horreur! Attendez, moi j'ai hâte de les voir ados parce que c'est là où on verra vraiment leurs traits. Et juste avant de partir, je vais vous montrer la maison que j'ai faite pour les autres qu'on avait virés ou qui étaient partis. Pour Gisèle et Richard, voilà. Puis leur fille, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ginette, je crois. Elle s'appelle Ginette. Moi, Philippe, c'est le prénom de mon père. Magnifique. Donc, la petite Ginette est plutôt jolie, hein. Après les horreurs. Pardon. J'ai des remontées, c'est génial. Je crois que je vais vomir. Bon. La petite Ginette est pas si mal. Richard, puis Gisèle qui se trimballe à poil dans la rue, tout va bien. Bref, je vous montre vite fait la maison parce que. Une maison de base que j'ai modifiée, donc je l'ai beaucoup modifiée. Donc petit perron bien t'as vu et tout, avec des fleurs et des feuilles et bref. Le jardin, enfin c'est pas un jardin, je sais pas. Le jardin, l'extérieur. Donc ici, c'est une très grande pièce, on entre par la porte. Merci Loupi pour cette précision. Ici, il y a le petit coin salon. Là, c'est, je sais pas trop, pour les invités, etc. La cuisine. J'ai mis beaucoup de verre parce que ça change, je mets pas souvent de verre, alors hop. La cuisine. En haut, on a la chambre des parents avec the salle de bain privée STP, bien t'as vu. Une petite mezzanine truc et la chambre de la fifi avec sa salle de bain elle aussi. Très rose, je mets jamais de rose pour les filles, mais là j'avais envie de faire bien cliché. Enfin bref, sur ça je vais vous laisser parce que je pense que je vais aller lâcher un renard. C'était très poétique, n'est-ce pas? Je vous remercie quand même d'être venu. On a quand même fait presque 1 heure de live, donc c'est pas si mal. Je vous fais plein de bisous, je vous dis bah, la semaine prochaine pour le prochain live s'il n'y a pas de problème. Et à bientôt dans les prochaines vidéos. Bisous!